I wanna be free. I wanna just live inside my Cadillac. That is my shit. And I'll throw it up. That's what it is. In my C-A-D-I-L-L-A-C, bitch. Can't see me through my tents. I'm riding real slow. And my paint wet, dripping, shining like my 24s. I don't got 24s, but I'm on those Vogues. That's those big white walls, round them 100 spokes. Old school like old English in that brown paper bag. I'm rolling in that same whip that my granddad had. Hello, haters, damn y'all mad. 30K on the caddy, now how backpack rap is that? Alors je dirais que le bilan est plutôt positif au vu de la prestation que nous avons fait, hier. On a joué contre une équipe d'EM qui a été relativement forte, bon, qui au final nous met quand même à moins 4 à 3 minutes de la fin. Je pense qu'il leur a manqué peut-être à eux un peu le sang-froid pour ne pas nous donner ces ballons qui nous ont permis de revenir, mais nous, comptablement, ça nous convient très bien. Le bilan de la mi-saison, pour l'instant, nous sommes 5e. L'objectif étant, d'ici la fin de saison, d'être entre 5 et 6e. Donc on est dans les clous. Mon parcours horseballistique, donc j'ai commencé le horseball à Bellegarde en 1999. Donc ça fait 15 ans. Je suis parti à Ramont pendant quelques saisons. Revenu à Bellegarde. J'ai fait un petit détour par Chambly une année et redescendu par Bellegarde. Et ça fait maintenant 4 ans que je suis sur Aramon. Donc mon cheval, c'est Catco des Fontaines. Il a maintenant 10 ans. C'est sa réelle première saison cette année, parce que l'année dernière, il a fait que 10 matchs. Il bosse sur le plat toute la semaine, on va dire 5 fois. J'ai ma compagne qui m'aide beaucoup pour la préparation. Moi, j'essaie d'être à cheval 2 fois par semaine en dehors du horseball. Et on a un entraînement collectif une fois par semaine. Je dirais qu'il est relativement maniable, assez rapide. C'est un cheval qui, à terme, va beaucoup m'aider sur la touche. Là, il manque encore actuellement d'expérience, hein, parce que c'est vrai qu'être au milieu de chevaux de pro-élite qui sont très très bien dressés, pour un jeune cheval, c'est très compliqué. Après, ses points faibles, j'aurais tendance à dire que c'est un cheval qui est relativement sensible au niveau sentimental. C'est un cheval qui est émotif. Il va être affecté par tout ce qui va se passer autour de lui. Il a quand même perdu son ombre, donc bon. Mais c'est un cheval qui a beaucoup de caractère et qui a énormément de cœur. Donc je dirais Bertrand Leclerc, car c'est lui qui a su mener ce groupe de 8 personnes à s'entendre, car c'était pas gagné. Il y a quand même des 20 ans d'écart, même pas loin de 30 ans d'écart pour certaines personnes. Et il a réussi à créer une homogénéité qui à la base n'était pas gagnée. Ça a été beaucoup de boulot, mais je pense que la mayonnaise est en train de prendre. Ça fait maintenant 3 ans qu'on joue ensemble. Et ça commence à le faire. 3 mots pour définir mon équipe. Déjà, je commencerai par différent. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment tous très 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 différents. Besogneux. Parce qu'on a su mettre, nos idées, nos caractères et nos humeurs de côté pour pouvoir bosser ensemble dans la même direction. Et pour finir, je dirais challenge. Challenge parce que, encore une fois, toujours le maître mot, on est parti de loin pour arriver là avec ce groupe. Alors au jour d'aujourd'hui, bon, on a joué 2 des grosses équipes, donc Arles reste à jouer cet après-midi. J'irai Romain de Ponce avec Zimbro,
car c'est lui qui nous a, enfin, qui m'a personnellement posé le plus de problèmes en défense. Et j'ai trouvé, je le trouve relativement exceptionnel cette année, et son retour fait beaucoup de bien à l'équipe de Bordeaux.